Eh bien bonjour, bonsoir à tous, et cette semaine au rayon Let's Play, on va voir Moon of Ardan. Vous savez, je vous en ai parlé il y a quelques semaines, on avait commencé une partie, il y en avait eu quelques problèmes, et sur ce type de jeu, bon, on sait très bien que c'est des jeux un petit peu try and retry, c'est-à-dire il va falloir essayer, die and retry plutôt, et recommencer un petit peu comme un oxygène not included pour essayer de comprendre les bases. Donc on va commencer une nouvelle partie, et on va voir si on va réussir à s'en sortir ou pas. Donc hop, on est là, on va devoir commencer par placer notre ville. Alors ici, on avait vraiment une mine qui était disponible. Donc on va placer celle-ci, on va placer le centre urbain là, pour dire d'avoir les arbres pour commencer. Ok. Donc là, on va placer les abris. On va les tourner un petit peu pour que ce soit plus ou moins correct. Donc, 1, 2, 3. On va placer la cabane de bûcheron ici. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc on va aller sur notre aventure comme ça et voir. Voilà, la ferme. T'as besoin de pâtes alimentaires. On va te mettre ici pour l'instant. Donc vous avez remarqué, j'ai pas pris la zone là, dedans. Hein. Voilà, j'ai besoin d'un petit peu plus de population. Ok, le collecteur d'eau maintenant. Placer ici. Ça, on va collecter de l'eau et après on va avoir besoin de bois pour purifier l'eau. Alors on a 4 naufragés, 4 populations, 4 emplois, donc il va falloir augmenter notre population tout de suite. À leurs besoins, on va prendre le besoin d'eau dès que possible. Voilà, faire le prix, le broyeur. Mais avant ça, on va placer ceci. On voit les productions, les besoins, et c'est ça qu'on va suivre vraiment, parce qu'il va falloir qu'on ait quelque chose de sain dès le début. On va remettre une cabane de bûcheron ici. Ok. Donc là, c'est pas mal pour l'instant au niveau des besoins et des gens. Donc là, on produit 5 par jour. Il y en a besoin de 0,93. Là, on en produit. Non, le max est de 5 et on en consomme 1,12. Alors, dès qu'on peut, on va l'augmenter. Il faut 30 citoyens de niveau 1. L'entrepôt, et ça on va devoir le faire assez rapidement. Et pour ça il nous faudrait du bois en stock, il n'y en a pas de bois pour l'instant en stock. Et là il faut vraiment monter à une population de 30. Faire des blocs comme ça. On va en refaire un ici.
Ok, le centre social octroie aux abris dans sa portée et capacité d'accueil de 3 habitants. Mais pour l'instant, on n'est même pas encore aux 2. Hein. Là, ils viennent de monter à 2. Et on pourrait monter à 3. Mais on va vraiment surveiller ici les consommations en pâte nutritive et en eau. Ce qui fait que dès que possible, voilà, on va pouvoir passer aux colons. Ici on en produit 6, là on en produit 2 pour l'instant, mais ça va monter, hein. Donc on va pas s'inquiéter, la pâte nutritive on est toujours bon, l'eau ça stagne, hein. C'est le cas de le dire pour l'eau, ça stagne. Donc toi déjà je vais pouvoir te mettre à l'arrêt pour dire de stocker de l'eau, d'avoir mon entrepôt pour travailler ici. Et surtout d'avoir ceci en plus, parce que ça va produire 2,5 et ça a besoin de 5, donc ça va augmenter ma production ici d'eau et refaire des pâtes nutritives. L'entrepôt, on va le mettre ici. Voilà, on n'aura plus que le centre urbain à faire. On va laisser le bois monter un petit peu. Voilà, on est limité à 7, hein, de toute manière au niveau ressources, donc on ne peut pas aller beaucoup, beaucoup plus haut. Je vais pouvoir améliorer mes maisons pour augmenter ma population. Ok, on a besoin de textiles, de tisserands et d'usines de vêtements. Ça en produit 1 et ça a besoin de 5. On va en placer 2. Et je vais avoir besoin de ceci. La carrière qu'on va placer à la limite là. Donc là on est sur la partie haute et ça c'est bon, hein. Et pour l'instant, on a assez d'emplois que pour le travail qu'on demande à nos personnages. Donc on ne va pas se griller tout de suite. Hein. Donc ça c'est fait, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir faire mon tisserand. Et ceci. Voilà, et là j'ai besoin d'augmenter ma population. Vous voyez, on peut monter à 59. Donc j'ai besoin de revenir à 59 de population, tout en gardant ceci correct. Mais n'allons pas trop vite parce que on va créer des vêtements et donc ma population ici va augmenter. Hein.
là ça devrait être assez. Surveille bien cette donnée ici. Hein. Voyez, on va remonter à 55 tout de suite. Parce que ils ont la satisfaction des vêtements. Ça on arrive pile poil à ce qu'on a besoin. On est toujours bon en eau et en pâte nutritive. Bon. Bon. J'ai pas de surplus de fibres. C'est normal, j'en ai que 2. Et j'en ai besoin de 5. Ouais, on va produire plus de fibres. Et on devrait commencer à avoir de la fibre textile en surplus. On est un petit peu plus au-dessus que la moitié. Il y en a 48 colons ici. Prochaine étape, on ne sait pas encore ce que c'est. Voilà, et ici ça va augmenter aussi tout de suite. Textile, c'est toujours compliqué de l'avoir. Ok, la solinite, biomasse, fonderie et la fabrique d'outils. Donc ça, c'est la prochaine étape, c'est les outils pour passer à une personne en plus. Mais pour ce faire, il nous faut la mine de solinite, qui, je pense, est ici. C'est bien une mine de solinite. Donc je vais devoir refaire un deuxième centre urbain. Là. Pour pouvoir y mettre ben, la mine. Et il en monte à 85. Donc on va d'abord rétablir ça. Pour ce faire, on va repartir sur le collecteur d'eau. Et le purificateur. Et on va augmenter ici maintenant. On y va vraiment petit à petit, hein. Comme vous voyez, on prend son temps. Des bâtiments. Alors oui, il va y avoir la pollution aussi hein, qui va rentrer en jeu, qu'on n'avait pas forcément dans la partie démo parce qu'ils ont fait une mise à jour à ce niveau-là. Voilà. Et là, on va arriver pile poil à ce qu'on a besoin niveau bâtiment. Donc on fait ceci, il va falloir de la biomasse et la biomasse va consommer. Donc on va devoir mettre un bûcheron par ici.
mettre la fabrique de biomasse, même si pour l'instant on n'y est pas encore. On va la mettre ici. Là, il me manque 10 personnes. Donc on rush pas du tout comme dans la vidéo précédente. Hein. On va vraiment piano. Parce que qui va piano va sano. Voilà, et là on va avoir la population suffisante. On a la fibre textile en surstock, ça c'est ce qu'on voulait. Alors maintenant qu'on produit de la biomasse et de la solinite, on pourrait faire la fonderie. De la fonderie, la fabrique d'outils. Alors je sais que j'ai pas la population qu'il faut, mais comme j'ai avoir des outils, tout va pouvoir augmenter de 1. Donc je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, plus ou moins 23 personnes en plus. Ça va me faire monter à 130. Donc on va attendre avant de développer le reste. On tourne presque à 10. Là, on tourne à 10. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Vous voyez, tac, 130. C'est la possibilité qu'on a. Et là, le centre médical. Mais on n'a pas ce qu'il faut. On le sait qu'on n'a pas ce qu'il faut. Hein. Ressources indisponibles sur cette lune. Donc voilà, on va monter aux 110 citoyens comme demandé dans notre objectif. On est toujours bon en eau et en pâte nutritive. Et là, ben, on a le biobroyeur, la fabrique de biomasse, on doit faire des nanofibres, des extracteurs de métalloïdes pour avoir l'assembleur d'aéronefs. C'est de rejoindre les 141 d'habitants. Donc là on va passer de 3 à 5, donc on devrait en avoir 10 de plus. Parce qu'en fait c'est ça la difficulté du jeu, hein. C'est de se dire voilà, on a un certain nombre dans les habitations ici. Si je rajoute une habitation, c'est pas 1 qui va arriver mais 5, donc c'est 5, 10, 15 ici, et il m'en manque que 1. Mais je vais pouvoir monter à 15. Et ça veut dire que très vite, les consommations ici vont augmenter. Et c'est là le piège du jeu, en fait. C'est là que réside le gros piège de ce jeu. C'est de se dire, ah mais tiens, j'ai besoin d'autant d'habitants, donc hop. Et voilà, vous voyez tout de suite, tac, on va monter à 3. Puis je vais pouvoir l'augmenter, mais j'ai assez d'habitants pour l'instant, pour ce que je leur demande de faire. Maintenant, je vais avoir besoin de 10 habitants ici. Pour faire de la nanofibre. On est toujours bon dans les ressources. Trop juste. Je peux pas en placer un là.
ils ont pas accès à ça? Ah bah si, il me semble bien. Donc là, j'ai ma population. Je fabrique de la nanofibre. Et on est à 16, donc ça va s'arrêter. J'ai besoin de mon assembleur. En fait, on a vraiment un centre spatial ici. Et là, je pourrais remettre de la population si vraiment j'en ai envie. Voilà, jusque là, on est vraiment, mais pas mal, hein. On est vraiment pas mal parce que la consommation de pâtes nutritives, en fait, tout est bon. Tout est bon. Vraiment que les outils qui pourraient poser problème. Là, on va atteindre la population qu'on a besoin actuellement. On a un aéronef, c'est bon. Après, on va pouvoir stopper la production d'aéronefs, hein, ce qui va nous permettre de récupérer du personnel. On va aller jusque 2, pas plus. Pour l'instant, ok, et la catapulte de lancement. Voilà. Bon, afin de pas se griller. On est un peu limite en eau et en pâte nutritive. Et en population, on n'a pas ce qu'il faut. Donc on va se refaire une zone urbaine ici. De se refaire une ferme de ce type. Un entrepôt là, on a un entrepôt là, donc on va pouvoir la faire ici. Et on va se refaire de l'eau là. Parce qu'avant de partir, je veux vraiment que ma planète ici puisse fonctionner sans moi, en fait. Tant que je n'aurai pas un équilibre ici, je ne partirai pas. On serait bon, on serait bon, on serait bon, en fait. On serait bon dans tout. Donc, on va arrêter cette première vidéo ici. Avec une planète chez Avella, en l'occurrence, qui a l'air de fonctionner et de bien aller. On verra dans la prochaine vidéo.
l'exploitation sur une autre lune et voir un petit peu ce qui se passe. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous, au revoir.